N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Devenez plutôt un homme qui a de la valeur. Ce matin, nous parlons leadership avec Madame Cissé de Emerald Création. Vous faites surtout bien de rester en notre compagnie. Soyez jolie idée. Avec la fête du jour, comment déployer notre potentiel. Bonjour à vous. Bonjour Dulce. Alors, nos jolies de nos régates ce matin, comment est-ce que vous vous présentez? Salut à tous, je suis Sally Ouattara, épouse Cissé, et j'ai deux enfants. Je suis propriétaire de la boutique Emerald Création. Alors, je remarque que c'est une très belle boutique avec Merci. De très belles colorations. Merci. Comment est-ce que vous composez à la base? Je me fais aider. Mm-hmm. D'abord, j'aime tout ce qui est beau, mais en plus, je me fais aider par des professionnels dans la déco, dans la mode. Je ne me dis pas que c'est un début, hein. Mm-hmm. Donc j'apporte un peu ma touche, mais surtout avec l'œil avisé de tous ceux qui s'y connaissent véritablement. D'accord. Est-ce que le choix de vos parents, sinon le métier de vos parents, a influencé ce que vous faites aujourd'hui? Non du tout. Ma mère est ménagère et mon père est ingénieur informaticien. Donc loin de là, ils sont loin de tout ce qui est couture, voilà. Alors si nous parlons des qualités de vos parents qui ont peint votre caractère. La rigueur, je dirais la rigueur. De quel côté? Surtout avec papa. D'accord. C'est quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui est sur le droit chemin. Mm-hmm. Du coup, il nous a toujours montré les bons fondements, les bonnes bases. Il fallait aller sur le bon chemin et c'est ce qu'on a fait. Pour y arriver, bien sûr, avec l'appui de maman qui, elle, était tout le temps disponible, qui nous suivait dans tout ce qu'on faisait. Voilà. Alors, je remarque que vous êtes belle dans la tête. Et physique et mentalité, il n'y a rien à dire. Alors, merci. Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Soin, on va dire quoi? C'est le col. Quand on se lève le matin. C'est la base. Hein. Quand on se lève le matin, ce que vous voulez savoir, c'est la prière d'abord. D'accord. Moi, ma plus belle beauté, c'est d'avoir ma prière. Je me confie dit, à d'ailleurs. Dieu. Et après, tout suit. Hein. On va dire qu'on a tout ce qui est publicité en ville, on a tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qu'on a vu avec les aînés, les sœurs, ainsi de suite. Bon, côté, on va dire classique, plutôt classique. D'accord. Je remarque que vous êtes une femme assez douce, assez câline et tout. Parler, est-ce que le temps a forgé votre caractère? Oui, beaucoup. Voilà, ça c'est une question. Beaucoup. Le temps a vraiment forgé mon caractère. Il faut dire que après toute l'éducation que j'ai reçue des parents, je suis sortie très vite, très jeune de la maison. Je me suis lancée dans plein de choses indépendamment de mes parents que j'ai appris. J'avais déjà l'apprentissage des parents,
Et la vie m'a beaucoup appris parce que je suis sortie jeune et j'ai appris très vite des choses. Alors, de votre parcours, quel est l'événement qui vous a le plus marqué, qui a le plus forgé votre caractère? On va dire quoi? Le jour où je me lançais véritablement dans l'indépendance, je veux dire, professionnelle. Dans le domaine entrepreneurial. Entrepreneurial, exactement, merci. Et vous avez commencé par quoi? J'ai commencé, il faut dire que je suis diplômée en communication marketing et j'ai travaillé pendant 10 ans dans différentes maisons de communication. Et de là, je suis partie et j'ai créé ma propre entreprise, bien sûr, dans la communication. D'accord. Voilà, donc ça a été mon premier bébé que j'ai sorti en 2014. Et ensuite, la mode, qui était une passion, a suivi. Alors, on va dire que la communication était votre domaine de prédilection. C'est ça. Alors, comment nous partons de la communication et nous arrivons à cette translation juste après le domaine de la mode? On va dire la communication, c'est ce qu'on a appris. Mais la mode, c'est ce qui était inné en nous. Et forcément, ce qu'on a dîné, ça ressort avec le temps. Et c'est très vite ressorti. Et d'ailleurs, même, ça prend plus de place sur la communication. Mais alors, bien sûr, la communication m'aide aussi dans tout ça. 10 ans après, comment est-ce que ça a commencé pour que vous puissiez... Quel a été le premier coup de cœur? Est-ce que vous avez flashé sur une tenue particulièrement qui vous a dit... et vous vous êtes dit, top, voilà, c'est vrai, je me lance dans ce secteur d'activité. Je me suis lancée pour moi-même d'abord, il faut le dire. Flasher sur une tenue, non, j'aime tout ce qui est beau, j'aime bien les femmes bien vêtues, ainsi de suite. Donc, je m'inspirais des modèles des autres pour en faire pour moi-même. Donc, on peut dire que je ne me suis pas lancée au bout de 10 ans, je le faisais déjà pour moi. D'accord. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je m'ouvre à tout le monde, je montre ce que je sais faire aux gens et je regarde s'ils y adhèrent ou pas. D'accord. Avant que les gens n'y adhèrent, est-ce que vous avez été, vous avez eu quelques remarques de vos amis qui ont dit, tenez, vous pouvez réussir dans ce secteur d'activité? Bien évidemment. Il faut dire que je n'ai pas commencé tout de suite balèze, non. La preuve, j'ai commencé dans mon salon avec 2 machines. En quelle année? En 2015, exactement, en 2015, avec 2 machines. Et ce que je faisais, je dessinais certains modèles, où je calquais même carrément des modèles européens que j'adaptais à notre africanité. D'accord. Et je postais sur Facebook. Pas pour vendre. Je monte et j'attends les réactions des gens. Et j'ai eu beaucoup de réactions. Comme un teaser. Voilà, comme un teaser. Merci beaucoup. Et j'ai eu des réactions. Ah, ça c'est pas mal, mais je pense que si on aurait ajouté ça, ça serait... Voilà. Le premier vêtement vendu et la satisfaction du client. Le premier vêtement vendu, il faut dire que j'étais toujours dans la maison de communication. Bien sûr, on force nos collègues à y adhérer. Donc le premier vêtement, c'était ma collègue. Et quand elle a porté, elle est venue, tout le monde lui demandait, mais où tu as, mais c'est joli ce que tu portes. Oui, c'est fait chez Gilles Touré. Donc imaginez la satisfaction derrière, j'étais devenue un plat Gilles Touré de la maison. Voilà. Alors, après ça, est-ce que vous avez cherché à vous professionnaliser même au niveau de ce secteur enseignant? Oui, oui. Dieu merci, je me suis rapprochée de certaines personnes qui étaient déjà dans le domaine. Qui sont? Ce n'est pas de grands noms. J'ai un aîné qui était juste à côté de nous, qui était couturier. Je partais de temps en temps voir c'était quoi la découpe, c'était quoi le patron, c'était quoi, ainsi de suite, voilà. Et avec lui, j'ai beaucoup appris. Et après la maison, quand j'ai aménagé dans la boutique ici, juste à côté, il y avait déjà un atelier de couture. C'était pas la concurrence, c'était plutôt, je veux dire, de la fraternité, mais toujours aussi de l'apprentissage pour moi, parce que je venais trouver quelqu'un qui était déjà sur le marché. Un prolongement de ce que vous voulez faire. Voilà. Alors là, moi j'apprends également qu'on peut avoir le talent, mais il faut toujours chercher à professionnaliser ce talent. Est-ce difficile? Est-ce que tout le monde croit facilement en ce que nous faisons? Non, du tout. C'est important de se professionnaliser même déjà pour le personnel que vous engagez. À la limite, vous n'avez pas fait de la culture, vous avez fait de la communication. Eux, ils en savent beaucoup plus que vous.
Si vous ne savez rien, vous ne pouvez pas gérer avec eux. Vous ne pouvez pas les coacher. Donc, c'est important de se professionnaliser pour avoir le même échange sur certaines choses, pour être au même niveau d'information. Être au diapason de l'information. C'est ça. Est-ce que vous avez ajouté à cela des voyages également? Non, pour le moment, non. Voyage dans le sens de la boutique, je dirais plutôt des voyages pour apporter des choses qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir ici, c'est-à-dire de la dentelle, des finitions. Pour embellir en fait. Voilà, des tissus qu'on ramène souvent de Dubaï pour changer de ce qu'on voit ici. Alors, c'est vrai que vous choisissez juste après d'entrer dans ce secteur vaste qu'est la mode, mais vous choisissez un domaine de définition qui est le Dubaï. Oui. Sinon, qui est la culture africaine? Oui, oui, oui. Le pain, pourquoi? Parce que déjà, quand je travaillais dans la maison de communication, je bossais beaucoup avec Disco. On peut dire les marques? Je bossais beaucoup avec Disco. Chaque 3 mois, il lançait une collection et j'étais chargée de bosser sur la campagne de communication sur la nouvelle collection. Wow. Vous voyez, donc déjà, j'étais dans le pain. Je connaissais toutes les collections qui arrivaient, ainsi de suite. Donc, du coup, ça a juste rajouté à ce que j'avais. On va dire que vous avez eu juste un peu plus de chance. C'est ça. Est-ce que c'est facile à travailler le pain? Oui, c'est facile à travailler. Au fait, le pain, il est tellement beau. Tellement, on a une richesse qu'on n'exploite pas véritablement. Vous savez, avec le pagne, on peut faire de belles choses. Rien qu'avec les motifs, ça vous inspire des choses. Vous pouvez voir le motif d'un pagne qui tout de suite vous inspire un sac. Ah. Ou une nappe de table. Ou une serviette pour un bébé. Au fait, le pagne, on peut faire tout avec. Et vraiment, véritablement facile à travailler parce qu'on peut s'amuser comme on veut avec le pagne. Alors, la confection d'une tenue, l'intervalle de temps approximatif? Ça dépend de ce qu'on veut. Pour une tenue de jour, pour une tenue de cérémonie, pour aller au bureau simplement, ça dépend. Donc, pour des tenues classiques, en une journée, on peut faire un montage. Mais pour quelque chose où il faut apporter des touches particulières, il y a d'abord la réflexion même avant de découper, donc ça nous prend un peu plus de temps, je pourrais dire 72 heures max. D'accord. Nous parlons leadership aujourd'hui. Selon vous, y a-t-il des aptitudes pour pouvoir avoir ce leadership-là, pour pouvoir drainer les gens? Oui, très important d'avoir des bases pour pouvoir drainer, pour pouvoir être un chef. Je ne dirais pas le mot chef, je ne l'aime pas trop même. Pour pouvoir être le bon accompagnateur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Avec ses collaborateurs. Avec ses collaborateurs. Alors, quelles sont ces bases-là? Déjà, il faut étudier la personnalité des gens avec qui vous travaillez. Il est très important que les gens avec qui vous travaillez, vous ayez le bon et la mauvaise facette de chacune de ces personnes-là pour pouvoir le juste milieu, mais mieux utiliser. Ça, c'est très important. Il faut aussi être un exemple. Si vous n'êtes pas un exemple, votre équipe ne vous suit pas. C'est pas bon. Être un exemple, c'est quoi? Avoir des valeurs solides, une bonne éducation. C'est ça. Une bonne éducation, surtout spirituelle, moi, ça passe avant tout. Une bonne éducation spirituelle, une bonne éducation morale. Alors, votre avis sur ces patrons qui arrivent à l'entreprise et tout le monde ferme sa porte, tout le monde est dans la crainte? C'est dommage parce que pour moi, ils sont juste en train de tirer l'entreprise vers l'arrière, simplement. Voilà. Au fait, le patron, c'est pas celui qui doit faire peur. Le patron, c'est celui qui doit être le collègue au quotidien avec ses employés. Les comprendre, toucher du doigt les problèmes, les moments de joie, ainsi de suite. Donc, si vous êtes dans une entreprise où tout le monde vous craint, je pense qu'on parle là de... Que ça craint vraiment. Voilà, c'est la chefferie, quoi. C'est comme au village. On donne un ordre, tout le monde s'exécute. Et là, ce n'est pas tout le temps que cet ordre-là peut être bien pour l'entreprise. Parce que vous n'avez pas la capacité pour tout connaître.
Malheureusement, nous ne sommes pas des êtres parfaits. La perfection n'existe pas. Vous avez certaines qualités, certes, mais l'autre à côté, qui peut être peut-être même le coursier de la boîte, peut vous apporter des idées fantastiques sur des choses dont vous n'aurez jamais pensé. Donc, d'accord, c'est très important d'échanger avec ses collaborateurs, de leur ouvrir leur... De leur ouvrir votre porte. Voilà, à la limite, pour moi, un bon bureau, c'est un bureau sans porte. On se voit tous, on Il y a la convivialité. C'est ça. C'est ça. Votre avis sur cette jeunesse, surtout ivoirienne, qui est dépeinte par de mauvaises mœurs? Waouh. Je me dis que... En fait, c'est triste parfois de voir comment la jeunesse se laisse embobiner par tout ce qui est fait négatif. On a tellement de belles choses, on a tellement d'intelligence, on a de bonnes formations ici. Moi, j'ai la preuve, moi j'ai suivi toutes mes études, tout le parcours scolaire a été fait en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, avec cette petite base-là quand même, j'arrive à m'en sortir. On a de la richesse en Côte d'Ivoire, on a la terre, on a le pain, on a plein de choses qu'on peut exploiter étant jeune. Moi, je pense que cette jeunesse-là devait être sensibilisée sur ne rien attendre de quelqu'un. Voilà, c'est très important d'être formé, de faire ses preuves et ensuite de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, moi c'est ce que je souhaite vraiment à la jeunesse ivoirienne. Alors, pour toutes ces personnes qui ouvrent juste une entreprise et qui attendent immédiatement d'avoir des gains, selon vous, quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes-là? Le premier conseil déjà pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'apprendre. De savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout de suite qu'on gagne. Non, c'est impossible d'ailleurs. Quand vous entreprenez, il y a la courbe selon le marketing qui dit que là, vous faites votre petite notoriété d'abord. Ensuite, vous avez une petite croissance des chiffres. Ensuite, vous avez une constance. Donc, on évolue par échelons. C'est ça. Et après, même après la constance, vous pouvez régresser. Donc, c'est de se dire que quand on se lance, il faut savoir qu'on va monter progressivement. Ça ne sert à rien de se précipiter, de chercher à avoir des choses tout de suite. C'est impossible d'ailleurs. Y a-t-il des pertes qui ont joué sur votre aptitude à vouloir aller de l'avant? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu arrêter juste parce que vous avez perdu un peu trop? Dieu merci, non. Non, parce que j'étais préparée. D'accord. J'étais préparée, je me disais que quand je me lance là, mais je sais que ça ne sera pas du tout facile. Je rentre sur un marché existant au fait. Il y a le gâteau qui est là. Et tout le monde vient s'approprier d'une part du gâteau. Donc, je ne m'attendais pas à avoir tout le gâteau là comme ça pour moi tranquillement. Non, du tout. Du coup, il est arrivé des fois où on a eu des petits soucis, mais ça ne nous a pas découragés pour autant. D'accord. On a continué. Et on a des zones de turbulence. Voilà. Juste des petites zones de turbulence. Parce qu'on était préparés d'ailleurs. Si on n'était pas préparés, ça aurait été plus grave. Comme on était préparé, donc on anticipait certaines choses et ça nous a véritablement aidé. Okay. Avez-vous eu des modèles de leadership qui ont impacté votre être? Ah oui, beaucoup. Mon père, un vrai modèle. Là, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Tout comme moi, mon père, il a fait sa formation ici, il est rentré en entreprise, il a fait ses preuves et ensuite il s'est lancé dans l'entrepreneuriat et ça lui a réussi. Donc intrinsèquement, vous partez prendre des conseils. C'est ça. forcément. Au fait, c'est le coach forcé. Voilà. D'accord. On est obligé. Même quand on veut acheter au début, même quand on voulait prendre une paire de ciseaux, il fallait lui demander, mais papa, comment il faut faire? Vraiment, ça a été mon modèle. Bien sûr, après lui, j'ai eu des patrons dans le monde professionnel aussi qui ont été vrais. On peut les citer. Hein? Oui, j'ai eu Mariam Sidi Awara, ma gentille maman,
qui a été ma patronne pendant 8 ans. Elle était un véritable modèle, une vraie mère. C'est avec elle que j'ai véritablement appris comment vivre avec les gens en entreprise pour les emmener à sortir le meilleur d'eux. D'accord. Alors, vous êtes entre publicité, mode. Alors, quand on a plus de cordes à son arc, est-ce qu'on arrive véritablement à assumer sa vie de couple quand on rentre à la maison? Bien sûr. Est-ce qu'on ne transporte pas encore le travail? Non, bien sûr, c'est l'organisation. Je veux dire, j'ai eu la chance d'être dans le même domaine d'activité que mon mari. D'accord. Donc, même quand je transporte les choses à la maison, on parle communication. D'accord. C'est plus facile. On parle des mêmes clients, on connaît les mêmes personnes, donc c'est plus facile. Mais la mode, bon, ça l'intéresse pas vraiment. Hein. Mais il s'habille chez vous quand même. Non, il n'aime pas le pagne, bon, c'est... Comment je vais dire? Mais quand même, il s'habille chez nous. Lui, il est plutôt basin. Ah, d'accord. Donc, on lui fait souvent des basins qu'il porte, voilà. Il nous encourage beaucoup, en tout cas, dans ce sens. Mais le pagne, il ne le porte pas véritablement. Parce que lui, il a beaucoup plus vécu dans le basin. Sa mère faisait du basin. Donc, il est plus habitué à ça. Alors, c'est vrai qu'on est dans le secteur de la mode aujourd'hui. Mais est-ce que vos panneaux publicitaires portent certaines de vos collections souvent? Qu'est-ce que vous expliquez? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Pourquoi? Pas pour le moment. On n'a pas fait une grosse campagne de communication. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avançons doucement. Crescendo. Voilà, crescendo. Nous ne sommes pas, à notre avis, nous ne sommes pas encore prêts pour nous lancer sur les panneaux. Voilà. Parce que aujourd'hui, c'est juste répondre à la demande qu'on a. Pour aller sur des panneaux publicitaires, il faut faire plus que la demande. D'accord. Il ne faut pas aller communiquer et puis se retrouver à ne pas pouvoir donner ce que les gens attendent de vous. On est de l'autre côté de l'iceberg. Voilà. Donc, on est plutôt sur les réseaux sociaux. Vous avez vu à l'entrée, on communique un peu sur l'entrée, à l'entrée de la boutique avec un panneau. C'est suffisant pour nous pour le moment. D'accord. Mais on y pense. À partir de l'année prochaine, on va faire une telle campagne sur nos collections. Alors, à quand le défilé de mode Emerald Création? Oula. Le défilé de mode, c'est encore dans 3 ans. On est en train de se préparer. Mm-hmm. Parce que on va faire, je vous le dis, c'est une promesse. D'accord. On va faire un défilé qui n'a jamais été fait. En Côte d'Ivoire. Je crois à cette promesse. Voilà. Je ne dis pas que ce qui est là n'est pas bien fait. J'adore par exemple Isabelle Agnon avec son Afrique Fashion d'ailleurs que j'aide dans la communication. Le tonton à moi, Saint-Moïse. D'accord. J'adore aussi son festival. Mais nous, on veut faire autre chose que ces deux choses qu'on voit déjà. D'accord. Toujours avoir une longueur... longueur d'avance. Non, pas forcément une longueur d'avance. D'ailleurs, même c'est ces deux personnes-là qui vont nous aider dans ce qu'on va faire. On va juste changer ce qui est là. Spécificité alors. Voilà. Alors, pour vous, est-il comment est-ce qu'on vous retrouve tous les jours à l'accoutumance dans la manière de se vêtir? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que je porte? Beaucoup de pagne. Beaucoup de pagne. Beaucoup, beaucoup. Long, court. Long, depuis que je suis mariée, long, faut tout fermer. Et puis la religion recommande, juste pour rire, mais en général long, avec mon foulard. En général, c'est comme ça que je suis vêtue. Mais il faut dire que au quotidien, je n'abandonne pas tout ce qui est européen. Non, j'adore d'ailleurs, j'adore les costumes. Mais vous me verrez dans des costumes, par exemple, où il y a le pagne à côté et puis l'autre, c'est du tissu. Toujours porter l'africanité. Voilà, c'est ça. En fait, on allie le style européen à ce qu'on a en Afrique. Y a-t-il un proverbe africain qui vous donne du peps pour pouvoir avancer? Qui veut aller loin ménage sa monture. Qui veut aller loin ménage sa monture, vous l'avez entendu. Alors, avant de clore cette entrevue, y a-t-il des conseils que vous voulez donner à nos jolies dames qui ont pris de leur temps pour vous suivre, pour vous écouter? Je remercie déjà tout le monde pour le temps que vous prenez. Je sais que le temps est précieux. On peut faire de belles choses avec le temps. Et c'est ce terme-là que j'utilise pour vous dire que vous avez le temps de faire de belles choses. Vous avez la capacité de faire de belles choses.
il faut juste se doter de moyens et réaliser ses rêves. Alors merci de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes. Cette production a été chapeautée par Karl Drogon. J'ai eu également la joie de travailler avec Madame Diaby sur cette production. Également Georgine Adassé pour le make-up. Très très joli que vous avez vu ce matin. Restez toujours en notre compagnie, développez votre leadership et ne restez pas comme ça sans rien faire. Consultez aussi le www.jolidé.com, consultez notre page Facebook Jolidé, mais également intégrez notre groupe les Jolidés d'Abidjan et puis vous-même soyez jolis. Bye bye. Bye.